Je vous ai défini dans l'introduction un certain nombre d'éléments concernant la définition de la pensée critique. Et j'ai essayé d'ailleurs aussi d'éviter un certain nombre d'ambiguïtés terminologiques. Maintenant, il faut essayer d'entrer dans le cœur du sujet. Et pour entrer dans le cœur du sujet, je crois qu'il faut se centrer sur l'idée de former son propre jugement. Alors cette notion de jugement, vous allez voir, c'est une notion qui est bien plus large que la notion de jugement que l'on utilise d'habitude, c'est-à-dire on l'utilise dans les procès, c'est le juge qui juge et qui décide. Si vous prenez par exemple un procès pénal, le juge est obligé de décider en ce qui concerne un crime qui a été commis, il doit savoir qui est le coupable, il doit savoir comment ça s'est passé, dans quelles circonstances, il doit établir les faits. C'est très très important et ça vous montre que les faits, ce n'est pas simplement ce que vous avez devant vous. Il y a souvent des difficultés à les établir. Le juge n'était évidemment pas là. Le criminel, d'ailleurs, a intérêt à dissimuler ses actes. Souvent, il faut être très compétent pour comprendre les faits et les phénomènes parce que nous ne savons pas tout. Et donc, c'est assez difficile d'établir les faits qui nous avantagent, qui nous déplaisent, qu'ils nous plaisent ou qu'ils ne nous plaisent pas, puisque les faits, c'est ce qui s'impose à nous, c'est ce qui se passe dans le monde. Alors, d'autre part, le juge va appliquer la loi, c'est-à-dire qu'une fois qu'il aura décidé ce qui s'est passé et que tel ou tel individu a fait ceci ou cela, il dira ceci, la société l'interdit, elle a décidé de l'interdire, elle a décidé de faire ce choix et si c'est un crime défini par la société, eh bien l'individu sera puni. Alors ça, c'est juger au sens judiciaire, c'est-à-dire au sens le plus courant du terme. Maintenant, quand on dit de quelqu'un qu'il a du jugement ou qu'il n'a pas de jugement. C'est quelque chose de beaucoup plus large, mais vous allez voir que le processus est le même. Il est le même, mais il s'applique à un champ beaucoup plus large que celui du champ du procès judiciaire. Alors, avoir du jugement, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que nous sommes tous dans la vie confrontés à la nécessité d'évaluer la situation, comme on dit. C'est-à-dire d'essayer d'établir le mieux possible les faits, ce qui se passe, pour y réagir le mieux possible. Parce que quelle que soit la manière dont nous allons y réagir, les faits, il faut bien les établir. Si nous nous trompons, si nous ne comprenons pas comment ça se passe, eh bien, il va de soi que notre action sera une action imparfaite. Donc, c'est très, très important d'établir les faits. Et le jugement, donc à ce moment-là, quelqu'un dont on dit qu'il a du jugement, c'est quelqu'un qui est capable d'apprécier les choses, de ne pas trop se tromper, en sachant que dans la vie humaine, dans la vie pratique, dans la vie morale, dans la vie juridique et politique, les choses évoluent, sont dans l'histoire et qu'on ne rencontre jamais exactement les mêmes situations que précédemment. Donc c'est beaucoup plus difficile que d'appliquer une règle générale, c'est beaucoup plus complexe et quelqu'un qui a du jugement, c'est quelqu'un qui est capable d'apprécier chaque fois les situations et de le faire librement, de critiquer les représentations qu'il a de la réalité pour essayer d'adopter la bonne ou la moins mauvaise. Alors, en termes de valeurs, c'est quelque chose de différent. Les valeurs, ça concerne l'action, ce que nous voudrions que le monde soit, ce que nous voudrions faire, les orientations que nous prenons, les choix que nous faisons quand il y a des embranchements. Et évidemment, ça ne concerne pas, comme pour les faits, la description du monde tel qu'il est, ça concerne l'idée qu'on a d'un monde possible, c'est-à-dire, ou de notre vie possible, que nous voudrions transformer ou que nous voudrions mener dans telle ou telle direction. Et là-dessus, on se dit... Est-ce que la pensée critique est nécessaire? On dit aussi des gens qui ont du jugement. Il y a des gens qui n'ont pas de jugement parce qu'ils ne sont pas capables de tirer les leçons de leurs échecs et qu'au fond, ils ratent leur vie. Il y a des gens qui n'ont pas de jugement parce que collectivement, par exemple en démocratie, quand tous ensemble nous devons définir un certain nombre d'orientations pour la société, eh bien ils se trompent ou ils n'ont pas compris, ou vous allez le voir, ils se font manipuler par les démagogues, etc. etc. Donc de nouveau, avoir du jugement, c'est être capable d'apprécier la situation et de faire les bons choix. Maintenant, quand vous faites des choix, ce sont des choix dont on pourrait dire, au fond, ils sont subjectifs, chacun a ses propres choix. Et je pense que c'est très important de lutter contre ce préjugé, parce que sinon, si c'est affaire subjective, ben ça deviendra la loi des rapports de force. Il n'y aura pas moyen de mettre les citoyens d'accord sur une orientation. Et donc l'idée d'utiliser sa pensée critique pour fixer des orientations individuelles et des orientations collectives est une idée très importante. Thank you.
Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine